Thank you.
Yeah.
Thank you.
Christmas meal. Nous n'arrivons pas à un âme saine, même si on est tourné pour des tâches. Il y a tant à y être plus simple. C'est une maladie. Un nom tient dedans. Et qui contamine les chrétiens. La patine de Babalier. Et cela n'est pas seulement les chrétiens. Mais tu tiens dedans. Si je dis les chrétiens. Pasteur est un banal. Les pasteurs, ils sont un. Il y a des banal. Même les enfants sont des torts, des tout doux. Qui sont en violeux de l'avant. Pour les grands ministères, ils sont inclus. C'est derrière Yam est au sort. Avant d'être responsable, Yam derrière Jésus tient. Tu es un chrétien. Yam derrière tient à Jésus. Tu crois à Jésus. Yam derrière nomme à Jésus. Tu aimes Jésus. Qui tourne à la voie de nous même son bon Yam Bayoloa. Alors l'appel ou bien le talent qui est donné vient après. Quel sang comme de Jésus tient de bien. Alors quand on parle de chrétien de Jésus, il y a never fire. Tu sais, on parle de tout le monde. Nous avons une maladie. Nous avons une maladie que Satan profite sa de cela et il nous tue. Là, à tout le bacana, tout le monde. Il profite de cette maladie pour tuer plusieurs chrétiens. À tout le bacana. Il profite de cette maladie et il provoque beaucoup de problèmes dans la vie des uns des autres. Alors beaucoup de personnes vont se poser la question, c'est quelle maladie? Soyez patient, vous le saurez. Et cette maladie-là est nommée la colère, merci. La colère. De fois, nous ne considérons pas que la colère est une grande chose. La frère de soeur, la colère ne tue personne, c'est toi-même. Premièrement, si tu es colère et que tu n'abandonnes pas cela, et ta colère là, rappelez-vous que on a dit que si tu es en colère, si l'homme est en colère, il devient fou. Il est devenu presque fou. Alors maintenant, en état dans la colère, alors ce que le cœur faisait une fois là, il peut faire cela 5 ou 4 fois. Alors si à chaque fois tu deviens coloré, à chaque fois le problème n'est pas un problème, tu es en colère. Un petit problème, tu es assis, toute la nuit tu es réveillé. Et tu es en train de rôder. Celui-là qui m'a fait ça. Ce que tu es en train de faire là, et tu es en train d'abaisser les forces de ton cœur. Et un tout petit maladie qui ne pouvait pas te vaincre là, ce petit maladie là, te vaincra. Près de ça, si nous souffrons, sachions que notre cœur là, et il fonctionne comme nous pourrions. Il fonctionne comme étant chargé. Nos pensées, si nos pensées sont fortes, alors le cœur travaille beaucoup. Et comme nous transportons des charges, alors cela permet que nous puissions ne pas vivre longtemps. Mais cela ne s'arrête pas ici. Lisons la parole de Dieu. La parole de Dieu ne veut pas que nous soyons des colériques. Dieu n'aime pas celui-là même qui est en colère. Lisons.
Éphésiens chapitre 1, verset. Nous lisons dans Éphésiens 4, verset 10. Le verset 30. Éphésiens chapitre 1, verset. Éphésiens 4, verset 10. Le verset 30. Bah, verset 30, hein. Ne dis jamais, ne tiens qu'à quoi un carton. Car le Christ en la Yimra. Lisez le 31. La Christ en la Yimra. Et le 32. Ne dis jamais. Si quelqu'un a vu. A tiens qu'à quoi un carton. Un carton. Un carton. Un carton. Aïe la Béhoutou. Il va surtout les Canaries. La Chouïkli, la Nokwai, la Kanari, la Koutouro, Fan, Bipam, Biamman, Tavé, Biman Tavé, la Pam, le Boxing, la Fontab Sudo. On va voir une âme, son ton, Yam Sudo, Christine. Bien. En panne, si comment on se calme. Alors nous avons lu. Oui, le petit 31, 32. Éphésiens 4, 31, 32. Tu n'as pas suivi. Non, ça veut dire qu'il n'était pas sûr de la lecture. Ah. Non, il y en a un cahier qui va. Qu'il rire. Calme ça. Il est vrai qu'il le voit. Et dans ce carmésini, même. Là où nous avons lu, il nous a dit de laisser l'amertume. Et l'amertume, l'amertume, l'animosité et la toute colère. La canarie, la calomnie, et etc. Alors toutes ces choses qui ont été dites ici, c'est les enfants de la colère. Que les calomnies et les animaux et que ce soit les amertumes. Mais là, ce sont les enfants de la colère. Et la parole de Dieu nous dit que d'abandonner tout cela. Et si nous allons de l'avant, il nous est demandé une seule chose. Et de faire les biens les uns les autres. La et d'être dans l'abondance. La compassion sur lui. Dans la compassion. Et réciproque comme Dieu nous a donné en Christ. Si que votre son karma. Et là où nous avons lu, ça a mis comme été tant d'agir à mettre ses soutenir. S'il savait que nous sommes colérés, tant soumis le tout. Alors, à quelque chose, quel que soit le problème, nous sommes dans la colère. Tant des carabois. Et nous calomnier les uns les autres. La hiérata dit ce frère Benson. Et tout ce qui a été dit. La parole de Dieu nous demande que de remplacer cela avec autre chose. Si nous voyons dans la parole de Dieu, le dimanche passé, il nous a dit et que si un démon sort et que tu laisses là où il est sorti, si tu ne remplaces pas cela à la présence du Seigneur, si Jésus ne remplace pas ton cœur là, l'esprit mauvais qui est sorti de toi, il va chercher d'autres esprits plus puissants que lui et ils vont introduire dans cette même vie. Alors, la souffrance d'avant, la souffrance d'aujourd'hui sera plus pire qu'avant. Alors, un homme ne doit pas vivre dans le vide. Et un homme, quand il n'est pas ici et de gauche ou bien, il doit être à droite. Et selon le plan de Dieu,
Si vous n'êtes pas avec Dieu, automatiquement, et vous êtes avec, avec Satan. Si vous n'êtes pas avec Dieu, vous êtes avec Satan. Si vous n'avez pas pris l'engagement d'être et de vivre avec Satan, si vous n'êtes pas avec Dieu et que vous faites nonchalamment les choses, automatiquement, vous êtes considéré comme ceux-là qui sont tièdes. Et sachez que les apôtres, et j'aimerais que tu sois brouillard et que tu sois tiède. La fausse est mince là. Et si tu es tiède plutôt, et je vais te vomir de ma bouche. Et je vais te vomir de ma bouche. Et en le vomissant là, où il y a cette personne? Celui-là qui est tiède là, je vais repartir là où sont et ils vont vomir ceux-là qui sont tiède là, afin qu'ils puissent aller vers ceux-là qui sont froids. Mais pour ce que tu l'as parlé, Il n'y a pas à démêler envers l'œuvre de Dieu. Que vous suivez Dieu franchement, ou soit vous ne le faites pas. Et ceux-là qui sont froids, et ceux-là même qui s'en fichent mal de Dieu, mais ceux-là qui sont tièdes, c'est ceux-là qui disent qu'ils suivent Dieu. Et quand nous parlions, je me rappelle d'une chanson. Et une fois, cette chanson a été chantée dans une église. Une femme a donné cette chanson. Et une responsable a dit, et un des responsables a dit, stop, ne chantez plus. C'est une ancienne chanson. Je vais chanter, vous allez bien écouter. Qu'est-ce que ça dit? C'est maman Popo qui aimait chanter cela. Vous êtes alors faites attention et en prenant de Jésus, si Jésus t'appelle et que tu ne puisses pas répondre. Alors, la chanson elle est bonne ou n'est pas bonne? Alors, le chant qui a été chanté, ça a vexé d'autres personnes. Alors, ils ont dit, laissez la chanson là, c'est très ancien. Frère de soeur, quand la parole de Dieu parle et que cela te fait mal, et que toi tu es assis sur le banc et puis tu es en train de souffrir, au lieu d'être souffrant là, entre en toi-même. Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce que je ne fais pas? Dans la parole de Dieu, qu'est-ce que je dois faire à l'époque? Qu'est-ce que je dois abandonner? Alors si vous faites ainsi, à chaque fois, et tous les dimanches que vous venez à l'église, chaque fois que vous allez entendre prêcher la parole, si vous écoutez la parole de Dieu ainsi, cela va vous permettre de se préparer et savoir les biens de Satan et le bien se sortir. Et quand le Christ va venir, enfin qu'on puisse tous être enlevés. Voilà, si madame Yiriamba. Comme au commencement, je vous avais dit, la colère, c'est une maladie. Qui parmi nous ne se n'est pas? Ou bien ne se met pas en colère? Ah oui. Il y a la
Il n'y a personne qui ne peut pas se mettre en colère. Vous savez que les enfants, même étant enfants, si la maman n'amène pas vite la nourriture, tu vois que l'enfant même a des choses qui montrent qu'il est en colère. Et en grandissant, et vous voyez le matin que les choses terminent. Et vous voyez qu'en avançant d'âge, des fois il peut attendre maintenant. Là, Et pourquoi qu'il en soit, il y a des gens qui j'aimerais partir parler particulièrement. Il y a des gens là que si quelqu'un les fait quelque chose et ils souffrent intérieurement, ils ne vont pas parler. Mais ils ont mis cela dans leur cœur. Et cela était devenu un fardeau. Et même la nuit, ils dormaient pas pour cela. Et ils souffrent. C'est de ces gens-là que j'aimerais parler ce matin. Frères et sœurs, Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Et fatigué, je vais vous répondre. Et pourquoi vous êtes dans l'église et être en Jésus et vous marchez avec toujours des bateaux? Ne voyez-vous pas que cela n'est pas juste? Si vous vous amusez et que cette colère et cette colère va enfanter les enfants que nous avons cités. Et petit à petit, cela va vous éloigner de Dieu. Et là où je dis particulièrement, cela ne va pas vous éloigner de Dieu seulement, mais premièrement, si vous êtes dans la colère, et j'en ai parlé ainsi. Ceux-là qui ont eu des liens avec Satan. Ou bien de ceux-là qui ont témoigné qu'ils ont été et qu'ils ont travaillé avec Satan. Ces gens-là, ils disent que s'ils peuvent pas être un chrétien, alors une chose qu'ils vont faire pour vaincre cette personne. Premièrement, s'ils veulent t'amener et t'amener dans le péché, alors en t'amenant dans le péché, ils peuvent te vaincre. Et si tu es mûr et qu'ils ont essayé de toutes les forces et qu'ils ne peuvent pas permettre que tu rentres dans le péché, chose qu'ils vont faire dernièrement, et la plupart ils disent qu'ils vainquent les chrétiens en ce temps. Alors ils vont amener des choses provocantes. Ils vont amener des gens pour vous provoquer. Ils vont amener des gens qui vont vous parler de ce qui ne vous plaît pas. Ne croyez pas que c'est loin. Alors ils peuvent utiliser toi-même ton mari. Et ton mari va faire quelque chose qui te déplaît. Et ou bien même il va prendre ton épouse et tes enfants. Et c'est des proches même que toi tu connais. Et c'est ceux-là même tes parents. Alors en arrivant à l'église et d'autres personnes. Frères et sœurs, ne permettez pas que la colère vous possède. Si la colère vous possède là, alors Satan vous a eu. Satan vous possède maintenant. Parce que quand nous sommes dans la colère, le feu de Dieu qui nous entoure et qui permet aux flèches de l'ennemi de ne pas nous atteindre là. Les Éphésiens 6 nous disent que d'être dans la foi. Et pour
pour garder, pour repousser les flèches de l'ennemi. Et j'aimerais vous dire, au temps de colère, et nous n'avons plus de pouvoir. Il y a beaucoup de choses qu'on ne parle plus même de cela. Et si vous voulez, prenez un exemple avec celui-là même qui est en colère. Réfléchissez et prenez un exemple pour voir. Si quelqu'un vous fait, et que vous êtes attristé de cette personne, au temps de votre attrisement là, vous n'avez plus de temps pour le Seigneur. Et en ce temps, Satan commence à arriver, à venir. Et dit, allez, vous prêchez maintenant. Alors maintenant, nous l'aurons. Alors, agissez vite en fait, allez, il ne soit pas dans la joie. Là, Abraham, et en ce temps, au moment de la colère, s'il y a des flèches qui sont arrivées, si ce n'est pas par la miséricorde de Dieu, Dieu peut agir. Mais il y a des cas aussi, cela dépend de votre colère. Et cela peut être les flèches de l'ennemi. Et vous serez dans la joie après. Mais Satan a déjà agi. Vous pouviez être dans la joie. Mais en ce temps, Satan a pu déjà vous blesser. Frères et sœurs, je pense que par beaucoup d'entre vous entendez ce que je vous dis. Frères et sœurs, on aimerait que tous nous y entrons dans le monde aussi. Mais faites attention. La colère, il faut que nous abandonnions cela. C'est difficile. Pour vraiment abandonner cela, c'est difficile. Mais les aussi disent qu'à chaque fois, et à certains cas, il faut s'armer de patience. Quand on dit de s'armer de patience, cela ne veut pas dire que c'est facile. Mais il y a des cas qui aiment se mettre et qui aiment s'en faire. Comme vous savez que cela, si vous ne vous armez pas de patience, et cela sera une occasion pour Satan. Ne permettez pas que Satan puisse vous attaquer. Est-ce qu'il y a un mot dans vous comprenez ce que j'ai dit? Vous suivez la main. D'accord. Vous suivez. Je vous demande de vous que le Seigneur vous bénisse. La main de son mère. Et que le Seigneur vous aide. En fait, et vous travaillez dans la vie de Dieu. Et ce qui est le plus important, abandonner la colère. Jésus. Au nom de Jésus. Comme nous parlions, Satan, comme il sait que la parole qui est proclamée, c'est une parole qui va te toucher. C'est ton problème là. Vous voyez de la manière que Satan fait, vous ne puissiez pas entendre sa parole, entendre la parole de l'Éternel. Frères et sœurs, que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus. Nous allons tous nous tenir debout.